Là, normalement, j'ai mis à jour mes données. Je déclare hérétique, ça devrait être bon. Après, je sais plus comment je faisais. Je faisais 4 tiers, je crois. Ah merde, mon titre, faut que je le change. Hérétique, j'ai mis quoi en... J'ai rien mis. Ok. Bon, voilà, hérétique. Si je fais comme ça... Waouh, alors j'espère que je vais rebondir, retomber sur mes pattes. Je sais qu'il était chiant, hérétique, à diffuser. Oh, Raskarkapak, bonjour! Merci, ça faisait un petit bout de temps que t'étais pas venu te manifester sur ma chaîne. Comment que tu vas? Depuis le temps. J'espère que ta rentrée s'est bien passée. Alors, ben, moi, ça va, merci. Oh, je suis bien content de te voir, dis donc. De temps en temps, tu passes faire un petit coucou chez Christella. Et puis, bien content que tu viennes me faire un coucou ce matin. Franchement, 7 E5 pour l'acheminement à 30 kg. Le rapport qualité-prix est correct. Attendez, il faudrait même que je triche avec ma propre tablette et que je me regarde. Parce que le 4 tiers sur les vieux jeux comme ça me flingue complètement mon écran secondaire. J'ai un décalage où j'ai l'écran principal qui dégueule sur le secondaire. Donc j'ai tous mes panneaux d'information qui se retrouvent décalés. Heureusement, j'arrive à voir le chat sur 2 tiers de l'écran. Mais je préfère m'assurer de la qualité de mon signal en regardant sur un autre ordi indépendant ce que je vous envoie sur Twitch. Que je me rassure en me disant il n'y a pas de. Il n'y a pas de Moïse quoi. Sauf que je ne. Oui, je suis en live. J'aimerais voir mon propre signal. Comment je fais? Il propose toutes les chaînes où je les suis pour les regarder en direct, c'est juste que je me diffuse moi-même. Alors attendez, j'aimerais me voir. Je vous diffuse quoi là? Ah bah c'est pas mal! Non mais c'est même vachement bien cadré mon truc. Nickel, je fais pause, histoire d'économiser la tablette. Voilà, excusez-moi du moment de flottement, mais moi ça me rassure. Eh bah c'est bien. Eh bah c'est cool. Bon bah je suis content. La question, qu'est-ce qu'un bon film? Alors qu'un Scarcapa pose la question à Nechelman s'il est toujours en vacances. J'ai envie de dire tristement, enfin tristement. Je connais la réponse. Mais je laisse l'intéressé répondre. Alors, j'en étais où moi dans ce jeu de fou furieux? Ah oui, R pour reprise. Oh! Wopopopopo, le jeu de la violence. Attendez, je bois un coup, faut que je me prépare psychologiquement là. On voit que le top départ a pas été donné, les gargouilles restent en orbite géostationnaire. Minute papillon, excusez-moi. Je sais même plus comment je jouais. Oh, faut que je me réapproprie le jeu. Mon cerveau a tout oublié, amnésie. Ou presque. Je jouais comme ça, moi? Mais je suis fou. Encore que c'est pas si désagréable que ça, mais dur. Dur, dur, dur. Oh! Oh! Très important ça. Ah non, 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 c'est pas ce que je pensais. Je pensais que c'était une sacoche qui me permettait d'avoir un inventaire plus grand, mais non. Là, l'artefact, je sais même pas à quoi il sert, la clepsydre. Bizarre. Et pour ouvrir, je fais comment? Je sais même plus c'est quoi la touche. J'ai une touche ou non? Oula. Oulala, va y avoir de la cavalcade. Alors heureusement que j'ai changé le mode d'affichage de mon écran principal au niveau du contraste couleur parce que là à nouveau j'ai envie de dire je vois plus. Alors sachant que je voyais déjà pas dans le mode précédent.
Qu'est-ce que ça aurait donné? Merde! Bah, pourquoi j'ai la vue décalée comme ça, moi? Ah merde, j'ai un des boutons de ma souris, je peux... Ouh là là! Ouh là là! Voilà. Attendez, il faut que je revoie quelle est la touche pour le... activer les portes, là. Si je la trouve... Ouch! Enter, oui, d'accord, mais... Alors, attendez. Si, comme un gros nigaud, je fais entrer là... Mais non, j'utilise un truc, là. Merde, j'utilise des artefacts. Alors là, je pige plus. Ah, il faut peut-être que j'aille là, en fait. Ah oui! Oh là là, c'est plus idiot que ça. Mais je suis mauvais. Oh merdoum, il y en a du peuple. Je vais me faire allumer, je le sens. Oh, mais j'ai même pas... J'ai qu'à entrer en contact avec la porte, elle s'ouvre. J'ai même pas appuyé sur un bouton. Oups. Encore que je vous avouerai que ça, j'ai un doute. C'est pas un passage secret, ça? Merde, oh, j'active les... Attendez, la disposition du niveau est trop bizarre. Oh la vache, comment ils m'allument avec leur hache en... Oh là! Ouh là là! Ils sont translucides. Partiellement, heureusement, mais... Popopo. Oh la vache, et puis il n'y en a pas qu'un peu. Bah, pourquoi la porte s'ouvre plus? Ah. Oh mon Dieu! Cette légion d'horreur. Ça y est, j'ai déjà plus de munitions. Mais non, mais... Ah, elle chante cette porte. Il faudra peut-être que je pense à sauvegarder là, parce que je m'en sors pas trop mal. Ah oui, ça, faut prendre ça. Ouais, non, ils sont en train de m'allumer là, les gars. Ouais, ça se voit là. Comment je fais pour sauvegarder F6, hein, je crois. Ouais, je vais prendre le 2. Tu pourrais nous mettre du Armin van Buuren en fond sonore. Bah, en musique, parce que je rappelle que je diffuse que de la musique libre, mais en bonne musique électronique, il y a. Je sais pas si tu connais Pierre Total. Il y a Atomic Cat. Enfin, je crois que c'est ça le nom. Attendez, si vous voulez, je vous mette ça. Pause. Ah oui, mais je vais faire sauter le jeu si je fais ça. J'ose pas, pardon. J'ai pas envie de faire sauter le jeu là. Je suis bien content d'avoir un truc cadré correct. Il aurait fallu me demander avant que je lance le jeu, tant pis. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Oula! Non, pas Atomic 4, mais Atomic 4. Le chat en anglais. Le chat atomique, si tu préfères. Si tu traduis littéralement le.
Sans déconner, ils ont même une cantatrice dans leur petite techno-trance. Et ça équivaut à un véritable artiste classique, quoi. Du genre vraiment de qualité, c'est juste qu'ils publient sous licence libre. Ils sont pas pour être enregistrés à la SACEM. Franchement, ils méritent d'être connus, quoi. Parce qu'ils font un excellent boulot. Oh là là, je perds des munitions, je trouve que mon ratio de tir est pas bon. Comme ça, ils sont redoutables, nickel. Oh ouais, faut que je fasse gaffe à ma vie, là je suis en train de morfler. Je suis un peu trop exposé aux tirs ennemis. Oh là, il m'a bien fait mal lui. Je reconnais que je joue mal. Hein. Alors, c'est bizarre. La disposition du niveau me perturbe. Ah, il y a un bouton là-bas. Yes. Ah, tu connais pas. Ah, faudra que je te fasse écouter. Pourquoi je peux. Oh, j'ai encore fait une bêtise. What? Il m'a rechargé le niveau, cet abruti. Il y a une erreur de gestion là, c'est pas possible. Non, je suis tombé là-dedans. Mon Dieu, il se passe quelque chose. Message de FunFan 1992. Bonjour tout le monde. Ah. Bonjour FunFan. Ascarcade Pack. Ah, pour Nacheman, mon Dieu. Tu connais Atomic 7? Atomic 5? Oh, je sais même plus lire les nombres anglais, enfin, romains à l'anglaise. Enfin, bref. Ah, ça y est, j'ai réussi. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, mais c'est une farce là. Oui, c'est une farce. Oh! Oh la farce! Oh punaise! La farce va me tuer! Mazette! Merci tout plein! Avec cet abonnement offert, tu régales doublement! C'est-à-dire que ta générosité fait que tu fais le bonheur de quelqu'un, mais en plus, ta contribution va aller dans la cagnotte du sage, qui est finalement commune, puisqu'elle permet de financer le serveur Minecraft, des jeux en commun, etc., etc. Merci tout plein! Ah, FunFan qui a offert un abonnement à l'ami Nashevman. Ok, merci FunFan, merci pour Nash. Je me disais bien que j'avais loupé un événement dans ma modération. Bah, qu'est-ce qu'il me fait le jeu? Oh là, il est bizarre. Mais je me souvenais plus qu'il était aussi rigide sur certains aspects. Oh ouais, voilà, la farce de faire les 4 interrupteurs à la suite, là, il faut que je passe ça. Une fois, ça va, la blague. Voilà, là je sauvegarde. Parce que l'idée de me recoltiner là. Merci. Ah oui, la bonne bague, ils sont là.
Ouais, non, il m'a zigouillé joyeusement. Il m'a zigouillé joyeusement. Au final, je l'ai dans les dents. Ouch. Eh, ça fait beaucoup avec ça. À la pourra. Il m'a carrément tué, lui. Dans la série, je cherche les emmerdes. Oh, il n'y a même pas de cadeau. Ouais, non, il n'y a pas de cadeau, il n'y a que Puik. Mais c'est scandaleux ce niveau, c'est scandaleux. Là, je vais me faire trucider, là, j'ai plus de vie. Oh. Ah oui, le coup de... Tu l'avais banni accidentellement, oui, tu voulais racheter ta faute. Ouais. Non, mais c'est gentil à toi en tout cas. C'est bien, là, je vais pouvoir faire joujou avec mes émoticônes. Oh, je fais baisser la plateforme. Ils vont m'arriver dans la tronche, je suis dans la mouise, non? Attends, il y a quoi au centre du coup? Attends, je comprends plus là. Ah non. Ah oui, non, là je piche plus du tout. Yes. Comment je faisais pour changer de... d'objet dans le... Non, ça c'est la carte. Quoi? Épisode 4, carte 4, la sépulture apparemment, c'est comme ça qu'on traduit. Ah oui, comment je faisais pour changer d'objet? Non, ça c'est le... Ah, c'était ça! Oh là là! Parce que si, voilà, si je bois ça, je récupère de la vie là. Ce qui m'arrange bien. Je pense que j'avais une meilleure configuration avant et j'ai dû la saborder. J'ai... Là, c'est moins instinctif pour moi le jeu. Ouch. Non. Non. C'est horrible leur crâne à tête chercheuse. Qu'est-ce que je veux dire? C'est la prise de tête. Oula, j'avais pas vu que j'avais des gargouilles aux fesses. Mais c'est pas possible. Il y en a qui sont réapparus sur mon lieu de combat précédent. Mince, pourquoi je suis allé claquer la bise à l'ennemi moi? Oula, non mais là je vais mourir. Non, je suis de la mouise. Mais non, je suis de la mouise. Oui, il faut que je recommence là. Là j'ai honte de ce que j'ai fait là. Allez, active-moi la suite. Alors, d'où ils sont apparus, les loustiques, là? J'ai pas compris. Ah. Ouch. Salopard. C'est vrai qu'il faut pas que j'oublie que je suis exposé. Oh, merde. Oh, c'est les gargouilles. J'essaie de me mettre à couvert et puis je me fais saucer. Voilà, mais ils sont combien eux? Oula, oula, oulala. Oh la violence. Hé, il y en a encore là-bas. Oh là là, il y en a qui apparaissent par la magie du démon là. Non! Il allait me tuer! Le chaligo. Oh, ce niveau, c'est vicieux. C'est vicieux possible. Attends, tu m'étonnes. Je suis obligé de réutiliser des artefacts de vie, là. C'est complètement craqué. Ouais, ou yes, si tu veux. Je suis prêt à créer n'importe quoi dans le nom de la sauvegarde. A plus, Oscar Capac, pardon. Bon week-end à toi. Merci à toi d'être passé. Dagadigadigada.
Alors, pardon, j'ai un peu merdé au niveau du suivi de votre conversation, de vos échanges. Alors, je sais que vous ne vous adressez pas à moi directement, mais. Ah oui, va regarder ton caméra café tranquille au peinard, oui, t'as bien raison. De toute façon, hein, je te l'ai déjà dit, FunFan, il se passe pas grand-chose sur ma chaîne. Hein. J'ai envie de dire, les seuls incidents de modération qu'il y a, c'est quand les robots se pointent, et encore, maintenant Westbot est... Enfin, surtout Westbot et Twitch les gèrent beaucoup mieux. Et on peut laisser ma chaîne en mode pilotage automatique. Je me fais pas plus de soucis que ça. Tu passes quand tu veux, FunFan, ne t'en fais pas. Oh mon dieu. Oh la vie. Oh oui! Le livre de Nécromancie, je l'adore. Je suis fan de cette couverture de Brookrunner. Kezako? What? L'ascenseur qui m'inspirait pas du tout confiance. Oh, malin. Je vais me faire déboîter en étant encore à corps avec eux. Il va me buter. Oh merde, il y en a un autre. Oh, ah non, le pilier, c'était bien. Déguste le pilier, c'est ton plat favori. Mange-le à tous les repas. Voilà, c'est très bien. Une griffe de dragon. Et je joue mal, je perds trop de vie dans mon histoire, moi. Ça va mal se finir, hein, mon. Je vais plus avoir de ressources pour la fin, je vais être en PLS. Alors là. Ah bon? Ça veut dire que j'ai déjà l'arme. Oh là là, c'est quoi cet escalier de. Ah! C'est un boss! Oh non, je me fais allumer. Tiens, change-toi en neuf, tiens. Ça te fera les pâtés. Je viens de me faire dézinguer. Face à une liche de fer, hein, il faut pas. Aïe 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 aïe. Oh, ce mépris de la liche pour les gargouilles. Mais regardez-moi ça. Ah là là là. Les 16 incidents proviennent de Nash. Un électron libre. Ah non. Aïe aïe aïe. Ah, la liche de fer qui s'éclate avec les. Qui s'éclate avec les gargouilles. Tel un homme sadique qui s'amuse à exploser des mouches. Même chose. C'est l'équivalent. Je vais peut-être changer d'arme, moi, du coup. Mais non, mais attends, j'ai plus de munitions, je suis débile, moi. Oui, bah, je vais saucer ça dans la tronche de la liche, là. Ça a pas suffi, mais... Voilà, elle est morte. Par contre, moi, je suis dans une mouise. J'ai plus de vie. Mais barre-toi. Sérieux, comment je gère mon affaire? Oh, il me reste un peu de vie, mais. Oh là 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 là. Il joue mal, il joue mal, il joue mal. Oh là là. C'est bon, la voie est libre. Attends, c'est trop flippant, je suis revenu au début.
Mais il y a ces angles-là qui sont ouverts. Pourquoi? Ah, la porte qui était scellée en face, elle s'est peut-être ouverte. Elle a changé d'aspect, je crois. Ah oui, j'ai ouvert une première porte, il faut en ouvrir une deuxième. Ah, il y a un télé... Oh là là. Ah bah non, j'ai fini. Ah, il y avait peut-être un niveau secret à atteindre avec ce jeu de porte. Il fallait trouver l'interrupteur. Oula. Oh, bonjour, Pompon, comment ça va? Botte d'hérétique au bûcher, bah oui. Tu m'étonnes. Avec ce genre de jeu, c'est flippant. Aïe, aïe, aïe. Ah bah, je suis content d'avoir au moins fini un niveau, là. Papapi, papapalapo. Il y a un truc que j'ai pas vu. Ah, ça. Oh là, ça y est, la cavalcade arrive. Je suis en train de me faire complètement exploser par les gargouilles. D'accord. Oh là! Ok! Je crois que c'est la pire créature du jeu qui vient de m'exploser. Ça et le Minotaur. Non, je crois que le Minotaur est pire, mais ça c'est une horreur. Voilà, une fois que j'ai fait ça, déjà j'ai un peu plus de santé, c'est pas trop mal. Ah oui, d'accord. Oh la vache. Bah alors, ouvre-toi. Mais non, je l'ai refermé, c'te... Ah, bah ça va. Je me souvenais qu'il était plus balèze que ça à trucider. Ah, il y en avait un deuxième. La bonne blague. Dommage. Oh, mais c'est pas possible, c'est leur entre. Il y en a 6 ou 50. Oh. Bah oui, l'autre il est sur... Bah oui, forcément, il me déboîte, le gars. Aïe, aïe, aïe. Dur. Ah bah tu parles, les autres, ils m'allument comme des fous furieux. What? Wouah, ce comité d'accueil fait long. Mais non, mais non. Alors, qu'est-ce que j'ai ouvert? Pas la grille, merde. J'ai ouvert un truc, mais alors quoi? Ah, j'ai ouvert ça. Oula. Je vais me faire buter. Je la sens pas. Voilà. Alors, les gargouilles cassent les... Oui. Les minotaures, ils mangent les... étaient morts. Ouais. Ah ouais, non mais, dur.
Ça va bien, ça va mieux, l'énergie est revenue. Oui, moi je suis revenu à la normale, merci. Oui, je suis revenu à la normale me concernant. Là, ça fait 2 jours, c'est bon, j'ai retrouvé la pêche normale. Voilà, je fais des journées normales où j'arrive à être productif de manière large, si je puis dire. Et encore, j'ai pas mal de vaisselle et de ménage en retard, mais c'est pas. Il n'y a rien d'alarmant. Je sens que je vais pas faire le jeu jusqu'à midi. Parce que le jeu est beau, mais le ratio, vous savez, plaisir et frustration, je vais de plus en plus vers la frustration parce que dur. Franchement. Ah, ce jeu. Oui, quel poète ce coupon. Ah oui, j'ai suivi en pointillé, je regarderai la rediff ce qui s'était passé par rapport à Minecraft hier chez Poupon. À un moment, j'ai vu que Poupon avait fini suffoqué dans un mur, ce qui est une mort particulière, on va dire. J'y arrive plus. Bonjour Christella. Oui, je suis en enfer, oui. C'est ça. Bisous. C'est ça. Hop, 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 hop. Oh la vache. Ah! J'ai dégusté pleine face son tir. Non! J'étais bien, moi, à l'heure précédente. J'étais tranquille ou peinard à faire du mini-golf. Souvenez-vous. C'était beaucoup plus relax. Là, en une matinée, je vous fais deux tendances opposées. J'aurais dû prendre le carquois de flèche. Ah oui, ça ouvre que là, quoi. Wow. Là, je vais attirer du monde. Oh, je suis niveau 2. Ouch! Mais il m'a carrément tué l'autre. Mais va mourir. Oh là là. Oh mais non, mais non, mais non. Mais c'est pas jouable, ils sont 650 milliards. Faut que je passe d'un côté puis de l'autre pour les saucer. Oh là là. Mais c'est pas jouable votre truc. Il n'y a que comme ça que je vais m'en sortir. Et puis il y a la gargouille à langue qui me débrise là. Ouch! Salopard qui a réussi son tir. Voilà. Merci. Allez, dégustez-moi. Putain, c'est pas vrai. Je peux pas faire autrement parce que si je reste immobile, c'est la mort assurée. Je suis obligé de me mouvoir constamment d'un bout et l'autre du corridor. Encore que je peux peut-être faire comme ça, mais je prends des risques. Salopard, allez, montrez-vous. Hop, 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 la papa. J'ai failli la déguster. Bon, je crois que j'ai gagné le droit de déclencher le truc parce que prout. Oh, joli. Ah oui, de la V. Les petites fioles de la V. Quelle horreur. Ah! Non! Ouf, elles sont pas passées loin. Mais ils sont combien? Mais non! Mais ils sont 50 millions, c'est pas possible.
Oh là là! Wow! N'est pas ici que je vous. Non mais je vais mourir là! Mais ils sont trop nombreux! Mais non, mais. Oh! Oh! Oh oh oh, ça craint! Oh 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 oh! Oh, ça craint! Oh, ça craint énormément! Non, bougez votre boule! Je veux pas mourir! Non! C'est le carnage dans les enfers! Je résisterai jusqu'au bout. Mon esprit sera le plus fort. On voit qu'il y a une porte qui coulisse dans le mur là, entre les deux. Les deux ramequins là. Non! Il y a un interrupteur quelque part, c'est pas possible. Il y a des salopios, mais comment qu'ils me saucent à distance? Ah oui, pause. Oh, la clé est au bout. La clé est au bout. Pardon, faut que je vous lise un peu. Nanana. Ouais, faut que je revoie. Faut que je revoie la rediff de chez Poupon. Cette gargouille qui est venue me chercher. Pipopon, il faudra qu'on se revoie dans la quinzaine. Parce qu'en fait, je suis nulle part. Je suis même pas sur ton propre serveur Minecraft. Je suis pas dans ton propre Discord, si j'ai bien compris. Et il y a le jeu concours aussi, je crois que je suis pas inscrit. Enfin, on verra là. Je reviendrai vers toi en semaine prochaine, en soirée, une de tes soirées. Mais j'ai du mal à suivre toutes les actualités de tout le monde. Ah là là. Attends, ce délire. Ah! Non, les ennemis sont trop puissants, c'est dégueulasse. Oui, j'ai pas la clé de la porte. Oui, merci. Mais oui, on en reparlera sur ton antenne, on verra ça paisiblement dans la quinzaine. Ah, j'ai récupéré une petite fiole de vie. Oh non, mais l'enfer quoi. Oh là 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 là. Ouais, y a pas des trucs que j'ai oubliés là, là ça s'ouvre pas. J'ai pas loupé un interrupteur dans ce schmilblick. Je sais pas si j'ai un intérêt à zigouiller les monstres aux angles là qui sont. À moins que ce soit la condition pour accéder au Graal. Non, non, y a un truc, c'est Majax. J'espère que je le touche au loin avec mon petit flingue. Parce que. Ouais, je l'ai buté. Donc, mon truc, déjà, c'est une bonne idée. L'idée est bonne. Comme quoi, l'intelligence artificielle est assez limitée. Quand vous êtes loin de l'ennemi, il meurt. Enfin, il meurt, il réagit pas. Voilà. Et il n'y a plus que le dernier. Merde, celui qui était mort. Eh ben voilà. Je me sens déjà mieux. Oh oui. J'aime beaucoup ce bouquin de crâneur. Je fais des choses merveilleuses avec. Bon, par contre, il va falloir que je pige la suite de la pièce parce que. Faut que j'aille dans le truc de là ou pas?
Ah mais non, mais la lave, c'est craignos. C'est craignos. Je pense pas que ce soit un accès, si. Ah si, il y a l'air d'avoir un truc. Ah, mais non, non, c'est l'ombre. C'est l'ombre du... Bizarre. Pas sûr d'avoir pigé le niveau. Ah! Ah, cette lave des enfers. Non, j'ai fait le mauvais choix. Pas ça qu'il fallait faire. Ah, le mec, il marche dans la lave. Non! Oh mon dieu! Oh là 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 là. Et j'ai déclenché la mort qui m'a emporté ma rôti. Poil au kiki. C'est ça qu'il me faut. L'anneau d'invisibilité. Attendez que je vous le prépare. Attendez qu'on rigole. Je vais sauvegarder dans 3 là. Allez, c'est parti. Je suis immortel. Et vous allez déguster, j'en ai rien à péter. J'espère que l'immortalité va tenir une bonne minute. Si elles arrêtent de m'enquiquiner avec leur tornade. Si j'arrive à les trucider, je vais faire un score de ma boule. Oh merde, je vais mourir. Ah non, je suis dans le lave, au secours. Ah, 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 ça brûle. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah. Ah. Au secours. Non. Non, je mérite pas de mourir. Je mérite pas de mourir. Oh. Ah, je crois que je les ai eus. Oh, ce combat. Il y en a plus, hein. Mais d'où est-ce qu'il est revenu, lui? Il est revenu d'entre les morts. Il y a un monstre qui est réapparu, c'est n'importe quoi. Oh, le bonheur, je m'en mets plein les fouines. Ah. D'accord. Tiens, attrape. Non, je suis en train de gâcher mon arme là. Le truc est pas approprié. Mais c'est pas vrai, ils ont été ramenés à la vie, je les avais butés. Pas possible. Mais oui, mais ils sont là. Mais non, mais ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit. Je fais tout ce qu'il faut pas faire. Blablabla. Ah, bon ménage, monsieur Poupon. Ah, bon courage. Ménagère de moins de 50 ans. Oh mon dieu, quand c'était il y a 10-15 ans, le cliché et le... On peut même parler de même, je crois, populaire. La ménagère de moins de 50 ans. Oh, oh là là, comment ça m'avait... Bref... Je l'avais entendu à toutes les sauces. Ah, faut que je recommence le coup des liches. Me souvenais plus. Allez, go.
Oula, je suis en train de me faire démonter là. Ah, ça va pas là. Bon, ça va, j'ai réussi à survivre. Bon, là, je sauvegarderai bien dans le 3. Le bon emplacement. Alors, que je ne fasse pas l'idiot. Voilà. Donc, d'accord, il y a des loustiques là, mais... Ah, bah, ça y est, j'ai la clé, en fait. Je suis même pas aperçu... Mais oui, je suis apparu sur le piédestal de la clé. C'est vrai. Qui c'est qui... Hein? Mais... Ah, j'ai pas la bonne arme. Ce bestiaire, il y en a trop. Oui. J'arrive pas à tout suivre dans vos échanges. Ah, pin d'huître. Alors pin d'huître, c'était marrant, c'était nulle part ailleurs, c'était Antoine de Caunes qui faisait avec José Garcia des sketchs en jouant des rôles bien écrits. D'ailleurs, parenthèse, José Garcia, à la base, il était chauffeur de salle avant d'être révélé par Antoine de Caunes, comédien, avec toute la série qu'il a fait de sketch avec lui dans Nulle part ailleurs. Et Pin d'huître, en fait, c'était le nom de code d'un scout qu'il incarnait. Oh là là, il y a des sketchs cultes. Je crois que c'est mon perso favori, ça, et puis le Dédé la fripouille avec sa banane et la giclette de sang au niveau des dents. Ah, c'est génial. Franchement, les personnages étaient trop bien écrits, c'était trop drôle. Pour ceux qui connaissent pas, honnêtement, pour la culture humoristique française, intéressez-vous au sketch de José Garcia et Antoine de Caunes dans Nulle part ailleurs. Ça date des années 2000 environ et franchement, c'est culte. J'ai envie de dire, forcément, vous avez vu au moins un ou deux sketchs dans des bêtisiers. C'est vraiment extra. Ah, voilà. Là, j'ai les salopios, mais... En me frottant à eux, je vais avoir accès à des... Mais ouvre la porte, hein ! Ah ! Je vais me faire reculer par les ennemis. Mais ouvre ! Ah, je voulais leur rentrer dans le lard et ça m'a pas porté chance. Ça doit dégueuler de ressources par là-bas. Pardon, mais je crois que je vais pas tarder à arrêter parce que Hérétique, là, il finit par me... D'ailleurs, je vois qu'on est... Même si on est à l'approche de la pause déjeuner, je vois qu'on est pas mal nombreux. Je vous proposerai bien les bibis. Tant pis si on n'est que 3 à y jouer sur les visiblement 8 spectateurs que vous êtes présents et je vous en remercie. Mais les bibis, ça me ferait du bien là, avant la pause déjeuner. Enfin, je fais une dernière tentative et à mon avis on fait des bibis. Très envie de bibis. Mais pourquoi elles sont repoussent cette porte de la CON? Voilà, il y a tellement de monde que je peux saucer gratos le peuple. Voilà, eux aussi ils me répondent. Ah, tiens. La porte a bloqué le... Je perds tous mes projectiles. Wow! Elle est pas passée loin celle-là. Ah, j'en ai eu. Attends, le temps que la flèche arrive, tu me diras, moi ça me donne de la sécurité. Ah. Non, ils sont tous morts. La
me surprend. Allez, go. Ah oui. Non, non, je les ai eus. Ah, oh, bonne opération. Oui. Quoi? J'ai été poussé. Qu'est-ce qui m'a poussé? J'avais l'impression que j'étais dans le souffle d'une liche de fer. Bah. Ah non, j'en ai, visiblement. Le jeu réagit pas. Comment ça j'ai été poussé? C'est scandaleux. Ah, j'ai pas pigé. Il s'est passé un truc, j'ai pas capté. Ah merde, il faut que j'atteigne de l'autre côté pour avoir la clé. Oh, ce niveau de fou! Ce niveau des enfers. Bon. Là, oui, la récolte a été bonne. Là. Il y a un bestiaire trop important. Ouais, allez, on va se faire un petit peu de bibi. Même si vous êtes 2 à 3 à jouer, engagez vos billes, tant pis. Les bibis vont me faire du bien. Parce que ce sont les bibis du bien. Alors, vous avez gagné le droit de voir ma tronche en gros plan. Et oui, ça roule ma poule, tu m'étonnes. Ah, la joie d'être en plateforme en plus. Oui, c'est bien, j'ai bien cadré là. Vous voyez bien ma tronche. Je vais vous faire fuir. Faut que j'arrête mes âneries. Ah là là.